Bonjour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Comment fonctionne la pompe à carburant à l'intérieur du réservoir La pompe à carburant à l'intérieur du réservoir d'un véhicule fonctionne de manière à fournir un débit constant de carburant du réservoir au moteur du véhicule. Voici comment cela fonctionne généralement. Le réservoir de carburant, le carburant est stocké dans le réservoir du véhicule, généralement situé à l'arrière de la voiture. La pompe à carburant, la pompe à carburant est généralement immergée dans le réservoir lui-même. Elle est électrique et est alimentée par le système électrique du véhicule. La pompe est conçue pour être immergée dans le carburant pour éviter la surchauffe et pour maintenir un refroidissement adéquat. Le filtre à carburant, avant d'atteindre la pompe, le carburant peut passer par un filtre à carburant qui élimine les particules et les impuretés qui pourraient endommager la pompe ou le moteur. L'aspiration du carburant, lorsque le moteur est en marche, la pompe à carburant aspire le carburant du réservoir à travers un tuyau d'aspiration. Le carburant est ensuite dirigé vers la pompe elle-même. La pression du carburant, la pompe à carburant a pour tâche de maintenir une pression constante dans le système de carburant du véhicule. Cela permet de s'assurer que le carburant est livré en quantité suffisante et à la pression appropriée pour le moteur. La régulation de la pression, de nombreux véhicules modernes sont équipés d'un régulateur de pression de carburant qui ajuste la pression en fonction des besoins du moteur. Cela peut être contrôlé électroniquement pour garantir une combustion efficace. L'injection de carburant, dans les véhicules à injection de carburant, le carburant est injecté directement dans les cylindres du moteur par des injecteurs. La pression maintenue par la pompe à carburant assure une pulvérisation fine et une combustion optimale. Le retour du carburant non utilisé, le carburant qui n'est pas utilisé par le moteur est généralement renvoyé dans le réservoir via une ligne de retour. Cela permet de maintenir la circulation du carburant et de réguler la température de la pompe à carburant. En résumé, la pompe à carburant à l'intérieur du réservoir joue un rôle essentiel en fournissant le carburant nécessaire au moteur du véhicule, en maintenant la pression adéquate, et en contribuant ainsi au bon fonctionnement du véhicule. Elle est généralement conçue pour fonctionner de manière fiable même lorsque le niveau de carburant dans le réservoir est bas, grâce à sa position immergée. Bonjour N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.